match et décollage. Hello and welcome. Bonsoir et bienvenue à notre programme au Centre spatial guyanais où pour le 8e lancement de cette année. Notre fusée est donc sur le pas de tir, prête à envoyer dans l'espace deux satellites d'observation terrestre, Venus et OPSAT 3000. Donc le décollage est prévu d'ici 14 minutes. On voit déjà le compte à rebours se dérouler à l'écran. Et pour en savoir plus, nous allons donner la parole au président exécutif d'Ariane Espace, Stéphane Israël. À vous la parole, Stéphane. Mesdames et messieurs, Ariane Espace est ravi de vous accueillir au Centre spatial guyanais pour cette dixième mission Vega, la deuxième de l'année avec notre lanceur poids léger. Dans quelques minutes, nous allons lancer deux satellites d'observation terrestre pour nos clients et partenaires. OPSAT 3000 pour OHB Italie, pour le compte de Telespazio et pour le ministre italien de la Défense, Venus pour le ministère israélien de la Science, de la Technologie et de l'Espace, pour le compte de l'Agence spatiale israélienne ISA et l'Agence spatiale française, le CNES. Ces deux satellites ont été fabriqués par IAI, Israeli Aerospace Industries. Donc, vous remercions tous pour votre confiance. Comme vous le voyez sur l'écran de contrôle derrière moi, Vega est sur le pas de tir après que le portique ait été retiré il y a environ 3 heures. Toutes les opérations de compte à rebours avec notre maître d'œuvre Avio se sont déroulées sans encombre. Le lanceur et les satellites sont prêts, la météo est au vert, donc nous devrions être en mesure de lancer d'ici quelques minutes à 10h58. Les performances requises pour ce lancement sont de 990 kg. Vega se dirigera vers le nord pour se séparer d'OPSAT 3000 et de Vénus sur deux orbites héliosynchrones avec une inclinaison de 97 et 98 degrés par rapport au plan équatorial à des altitudes respectives de 450 km et 720 km. OPSAT 3000 se séparera en premier lieu à 42 minutes et 49 secondes après le décollage. Ensuite, Vénus suivra à 55 minutes et 30 secondes plus tard, donc à H0 plus 1 heure et 37 minutes. Notre lancement est à quelques minutes, donc en avant Vega, en avant OPSAT 3000 et Vénus, et bien entendu, amusez-vous bien. Merci beaucoup Stéphane. Et en fait, nous allons être à bord d'un lanceur Vega ce soir, le petit bébé de la famille, si on peut dire, le dernier né. Et donc, la fusée Vega est sur le pas de tir. Elle est d'une hauteur de 30 mètres, à peu près la taille d'un des propulseurs de sa grande sœur Ariane 5. Et elle pèse environ un tiers de sa grande sœur. Et si on décoiffait le haut du set, on verrait les deux satellites, le OPSAT 3000 en position haute et Vénus juste en dessous. Et nous avons entendu de Stéphane que les deux satellites vont se retrouver sur une orbite héliosynchrone. Ça veut dire qu'ils vont passer autour de la planète du nord vers le sud. Ces deux satellites sont des systèmes optiques de très haute résolution et l'organisation était très complexe pour la mise en place de ce programme. Écoutons. OHB Italie et le ministère des Sciences et de la Technologie d'Israël sont nos clients pour ce lancement double avec Vega. Les deux satellites, OPSAT 3000 et Vénus, ont été fabriqués par IAI, l'industrie aérospatiale israélienne.
Pour OPSAT 3000, OHV Italy a constamment travaillé pour avoir la meilleure utilisation de Vega. Et plutôt que de définir une cible finale à obtenir, les analyses de missions préliminaires ont établi une série de paramètres orbitaux. L'approche de la qualification du satellite a éliminé tous les tests non nécessaires et s'est concentrée sur la bonne aptitude de fonctionnement. La structure d'interface, la LIR, entre le satellite et la structure porteuse Vespa, a été conçue et qualifiée par OHV Italy. Le résultat est une configuration mécanique optimale en termes d'héritage de l'IAI. Avec Vénus, l'Israël continue de développer ses propres plateformes satellitaires. Le bus IMPS pour Improved Multipurpose Satellite offre un large espace d'application pour les orbites basses. Après un premier lancement réussi, le lancement de Vega marquera le deuxième et troisième lancement de cette plateforme. Mettre en place une nouvelle plateforme satellitaire sur Vega est très intéressant pour Arianespace. D'abord, l'expérience reçue du travail avec l'IAI et Raphaël, le fournisseur des activités fluides. Le fait d'avoir à confronter différentes approches dans le design et la qualification du satellite à l'environnement, aux températures et aux vibrations. Le fait de vérifier les données et la documentation pour éviter des erreurs ou des non-conformités. Et enfin, d'avoir eu à tester l'aptitude des différentes parties du software et du hardware en Israël, en Europe et à Kourou. La configuration de lancement double avec OPSAT 3000 et Vénus a été validée par plusieurs analyses de mission réalisées par ELV et Avio, le contractant du lanceur, ainsi que l'Agence spatiale européenne, autorité ultime de la qualification de Vega. La conclusion de ce travail a été partagée entre Telespazio et le ministère de la Défense italienne, partie prenante dans la globalité du système de OPSAT 3000 et pour Vénus, par les agences spatiales israéliennes et françaises. Les satellites sont prêts au lancement. Donc c'est un travail d'équipe entre différentes organisations, organismes et agences. Donc on les félicite pour nous amener à ce lancement de ce soir. Cela fait 7 semaines qu'ils travaillent d'arrache-pied ici au CSG pour préparer les satellites et le lancement. C'est ce qu'on appelle la campagne de lancement. Et voyons maintenant ce qu'ils ont fait pendant tout ce temps-là. VV10 est le troisième lancement double du lanceur Vega, après le numéro 2 et le numéro 7. Les deux passagers, OPSAT 3000 et Vénus, ont été construits par le même constructeur IAI, basé en Israël. Les deux satellites sont arrivés sur le même avion cargo, Boeing 747, le 21 juin, et transférés dans les halls propres sud et nord du S1B. Après des tests de bonne santé électrique et fluide, suivis par un test de déploiement des panneaux solaires, Vénus a été transféré le 29 juin au S3BHR pour être rempli en hydrazine. Au préalable de son remplissage, Vénus a été assemblé sur son système de séparation appelé CIR de responsabilité client. Vénus, satellite mono-ergol, a été rempli et pressurisé les 4 et 5 juillet. OPSAT 3000, après des tests de bonne santé identiques à Vénus, a été transféré au S3BHR le 6 juillet pour y être rempli en hydrazine. La revue autorisant le début des opérations combinées, BTPOC, s'est tenue le 5 juillet. Côté lanceur, la campagne, sous la responsabilité d'ELV, s'est déroulée suivant le standard de 36 jours, avec un transfert P80 marquant le début de la campagne le 14 juin. Vénus, sur son adaptateur, a été transféré puis intégré sur le P2Plate dans le hall à chaîne le 6 juillet, puis l'ensemble sur le cône interne du Vespa le 7 juillet. L'encapsulation par la partie supérieure du Vespa s'est faite le lundi 10 juillet, concluant ainsi la fin des opérations d'intégration de Vénus. L'assemblage du copassager OPSAT 3000 sur le Vespa s'est déroulé le vendredi 13 juillet. Le 17 juillet, la coiffe est venue encapsuler l'ensemble satellite plus Vespa. L'ensemble ainsi constitué, appelé PAC, a été transféré sur la zone de lancement le mercredi 19 juillet, puis intégré sur le lanceur le lendemain, clôturant ainsi la fin des activités mécaniques de la partie haute. Durant les premières phases de vol, les trois étages à poudre P80, Zefiro 23 et Zefiro 9 sont suivis par la station de télémesure de Galio à Kourou pendant 7 minutes.
Pour répondre aux aspects de sauvegarde, ces trois étages, après séparation, tombent en mer. Le dernier étage, intégrant un moteur liquide, la VOOM atteindra l'orbite de transfert après l'allumage de 6 minutes. Cette poussée sera suivie par les stations de Bermude et de Saint-Hubert au Canada. Afin d'obtenir la première orbite SSO circulaire, une seconde poussée de 2 minutes sera faite en visibilité de la station sud-coréenne de Jeju après une longue phase balistique de 26 minutes. Une fois l'orbite atteinte, OPSAT 3000 sera séparé du lanceur. Pour la deuxième partie de la mission, la partie haute de la structure VESPA sera libérée. Une troisième poussée du moteur LAVOOM sera faite en visibilité de la station australienne New Norcia pendant 1 minute afin d'atteindre l'altitude SSO visée de 720 km. Enfin, après une rotation terrestre, le quatrième allumage de LAVOOM sera effectué pendant 1 minute en visibilité de Galio. Vénus sera séparée du lanceur après 97 minutes de vol. Et voilà donc ce que vous allez découvrir. Attention pour la séquence finale lanceur. Top H0-4 minutes. Et voilà, vous venez d'entendre le DDO qui vient de nous annoncer le début de la séquence synchronisée, les 4 dernières minutes du décompte final. Je suis de retour dans la cabine au centre Jupiter, le centre de contrôle où je serai pour le reste de notre retransmission. Ici, les tableaux des vols. Vous voyez le premier panneau autorisation lancement. Ensuite, vous avez l'état de la base de lancement, la logistique, la sauvegarde, les mesures, les télémesures. La localisation, là, ce sont les radars, télécom, c'est évident. Ensemble de lancement, c'est la zone de lancement. Puis ensuite, vous avez le panneau pour le lanceur, les 2 satellites. Et le dernier, c'est le panneau météo. Le décompte final a démarré il y a 9h10 avant le lancement. 5h40, il y a eu déclenchement de la télémétrie. 1 heure plus tard, remise en route des ordinateurs de bord avec chargement du programme de vol. Les portiques mobiles ont été retirés un petit peu plus tard et 15 minutes avant et 15 minutes plus tard, notre lanceur était déclaré prêt. Et il y a très peu de temps, nous avons eu le dernier rapport météo qui était bon, qui autorise le lancement. D'ailleurs, nous avons eu de la chance. Nous nous approchons de la saison sèche en Guyane française et nous avons eu de très beaux jours après une saison des pluies bien humide. Je souhaite accueillir maintenant tous ceux qui nous suivent au ministère israélien des sciences et de la technologie et à l'agence spatiale israélienne qui nous suivent depuis le siège de l'agence spatiale israélienne à Tel Aviv. Ce sont eux qui ont conçu et construit OPSAT 3000 et le satellite Vénus. Et évidemment, un grand bonjour à tous ceux qui nous suivent depuis l'Italie, au niveau du ministère de la Défense, de Telespazio et d'OHB Italie, et à toutes celles et tous ceux qui nous suivent sur Internet ce soir. Ici, nous sommes sur la zone de lancement Vega, le SLV, le site de lancement Vega, qui a été construit sur le premier pas de tir du premier lanceur Ariane, le lanceur Ariane 1. À tous de DDO, attention pour moins 1 minute. Top H0 moins 1 minute. Et le DDO vient de nous annoncer 1 minute avant le lancement. Nous souhaitons bonne chance à toutes les équipes, les équipes des 2 satellites ainsi qu'au consortium industriel mené par le ministère israélien des sciences et technologies et par Telespazio, et nous souhaitons bonne chance à toutes les équipes au sol qui attendent de prendre en charge les satellites. Nous vous laissons assister au décollage.
À tous de DDO, attention pour le décompte final. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, top. Allumage P80, décollage. Chien nominal. Les paramètres bord sont normaux. Le pilotage est calme. Un spectacle extraordinaire. Vega qui laisse sa traînée dans le ciel au-dessus de la Guyane et qui, bien entendu, se déplace vers le nord. Et maintenant, nous entendons le son qui nous parvient jusqu'au centre spatial guyanais. Nous avons franchi par la station de Saint-Jean-du-Maroni. Nous avons franchi le mur du son 31 secondes après le lancement, lorsque la vitesse du lanceur a atteint Mach 1. Et là, le spectacle est magnifique ce soir. Et le DDO nous dit que les paramètres sont normaux, que les paramètres sont nominaux. Début de la queue de poussée du P80. We're burning the P80. Nous sommes dans la phase de combustion du premier étage, le P80. Et ça y est, le P80 vient d'épuiser sa poudre, nous n'en avons plus besoin. Il est donc éjecté, ce qui permet de gagner en poids parce que plus nous sommes légers, plus nous allons vite. Et nous passons maintenant à la phase de combustion du Z23. C'est le deuxième étage qui va être en propulsion pendant 1 minute 20 environ. Le Z voulant dire zéphyr, le zéphyr étant un vent qui souffle en Italie. Le trajet calme, la trajectoire est nominale. Et on l'appelle le Z23 parce qu'il va brûler 23 tonnes de poudre, d'ergol solide. Je vous invite à regarder les paramètres d'altitude. Nous sommes à 110 km au-dessus du niveau de la mer, ce qui veut dire que nous sommes dans l'espace parce que nous avons franchi ce que l'on appelle la ligne de Kármán, qui est la frontière entre notre atmosphère et l'espace. Un point auquel l'atmosphère devient si mince que les avions munis d'ailes ne peuvent plus y évoluer. Et c'est là que nous avons besoin de propulsion par fusée pour pouvoir voyager dans l'espace. C'est la ligne de Kármán, est nommée du nom de Théodore von Kármán, américain mais d'origine hongroise, considéré comme le père des vols supersoniques. Il était né en 1881, il est mort dans les années 1960 et a été président des activités supersoniques à la NASA. Voilà, nous venons de larguer le P23, nous allons maintenant passer à la phase de combustion du Z9, le troisième étage. Et voilà, nous arrivons au moment programmé pour l'allumage de ce troisième étage et en même temps le largage de la coiffe. Parce que la coiffe n'est plus nécessaire, nous sommes maintenant dans l'espace, il n'y a plus de frottement dû à l'atmosphère et nous découvrons nos satellites. Vega a été construit par Avio, la société italienne. La trajectoire est nominale. We are now close to the 10th launch of Vega, the second of 2017.
Vega has set a world record in terms of reliability and orbital injection accuracy, with 9 perfect launches in a row from the maiden flight in 2012, exactly 5 years ago. Vega, as operated by Arianespace, has demonstrated a unique ability to deploy multiple satellites in multiple orbital planes. Today, I'm speaking to you from our plant in Colleferro, where we produce both Vega and we are developing Vega C, which will fly for the first time in 2019. Behind me, you see the new testing facility where we already successfully tested the first booster case of the new P120C solid rocket motor, which will equip both Vega C and Ariane 6. Today, Vega will take 2 satellites into sun synchronous orbit. OPSAT 3000, an Earth observation satellite for the Italian Ministry of Defense, and Venus, another Earth observation satellite for CNES and ISA, which will control vegetation and environment. The 2 satellites will be hosted on the Vega Secondary Payload Adapter, VESPA, OPSAT 3000 in the upper position and Venus in the inner one. The Avio team, together with its industrial partners and with Arianespace and ESA, is pleased to have once more a chance to demonstrate the strength of Europe's space strategy, which hinges around collaboration and teaming. I therefore wish the best success to the 10th mission of Vega. Et comme nous l'avons entendu, les 2 premiers contrats Vega ont été signés à l'occasion du Salon du Bourget en juin. La future constellation de satellites Bus Defense and Space utilisera justement cette nouvelle version de Vega. Et ensuite, il y aura Prisma, donc un satellite d'observation terrestre pour l'Agence spatiale italienne. Le troisième étage vient de couper son moteur. Et la phase principale de propulsion du vol est désormais terminée. Début du boost d'éloignement. Notre trajectoire de vol va nous emmener au nord par les Caraïbes. Sur la lanceur par la station des Bermudes. Et au-dessus des États-Unis, le Canada, nous venons d'entendre que à la station de poursuite des Bermudes, nous avons acquis le signal. Ensuite, Terre-Neuve, le Labrador, à l'ouest du Groenland, au-dessus de la mer de Baffin. Nous traverserons ensuite l'Arctique pour revenir par la Sibérie. Et puis la première manœuvre d'orientation avant le premier boost de la VOOV. Ensuite, on s'apprête à activer l'étage supérieur Avum. Donc, je disais, au-dessus de l'Asie du l'extrême-orient du Japon et ensuite l'équateur. Et là, on va séparer le deuxième satellite. Donc, nous avons activé l'étage supérieur Avum, ce qui va durer 6 minutes et demie. Et la phase suivante du vol a désormais commencé avec cet étage supérieur Avum qui a repris la roue, si je peux dire, et non la main. L'étage Avum est nominal. Tout se passe nominalement. Le OPSAT 3000 et Vénus seront mis en position précise dans l'espace. OPSAT à 450 km. La capacità di vedere, poter guardare dall'alto, è essenziale per moltissime attività, per la difesa in modo particolare. Potendo mettere insieme le capacità di visione radaristica di Cosmo SkyMed, un ottimo prodotto voluto dalla difesa e che la nostra industria ha sviluppato in modo eccellente, con la capacità invece ottica che abbiamo acquisito in un rapporto con Israele di cui siamo molto soddisfatti, potendo mettere insieme queste 2 visioni, quindi la visione radaristica e quella ottica, per avere uno sguardo sempre più preciso. Dicevo, è un bisogno che ha la difesa, ma è ovvio che questa necessità è di molte altre amministrazioni dello Stato o di molti altri enti e ovviamente queste nostre capacità noi le mettiamo a disposizione e quindi un progetto che è nato per la difesa
è un progetto oggi profondamente duale che può essere utilizzato da tutti coloro che ne hanno bisogno. Ed è un progetto anche europeo, ne abbiamo giusto parlato anche recentemente con la mia collega francese, ma con l'idea di svilupparlo a livello europeo. Noi stiamo già collaborando con la Francia proprio per quanto riguarda la capacità ottica, quindi si inserisce in un percorso di costruzione di difesa europea immaginando di mettere insieme queste capacità. Ma oggi permettetemi di ricordare che stiamo parlando anche di eccellenze industriali italiane, con Telespazio e con il lanciatore Vega di Avio. Un lanciatore eccellente, quasi completamente di tecnologie italiane, sono andato anche a visitare, diciamo, dove viene costruito, e quindi abbiamo in qualche modo un progetto tutto italiano che verrà lanciato a Kourou, come sapete, ma di cui siamo soddisfatti perché è un progetto al servizio della nostra sicurezza e della nostra comunità. Top right hand side. Donc en haut à droite de l'écran, nous voyons la trajectoire se dérouler, la trajectoire prévue du véhicule, du lanceur, et la croix c'est en fait la position précise. Au moment où je vous parle, on a repris le signal à la station de poursuite de Saint-Hubert qui se trouve au Québec, au Canada, juste en dehors de Montréal. Le deuxième satellite qui va se séparer ce soir, c'est Vénus. We are very proud to be here for the launch of OPSAT 3000. That is a very important milestone for Leonardo and Telespazio. OPSAT 3000 is a space mission of the Italian Ministry of Defense based on a remote sensing satellite equipped with an high-resolution optical sensor for defense use. Telespazio is the prime contractor and manages the entire mission, including the procurement of the satellite, the realization of the overall ground segment, and the supply of integrated logistics and operational activities. The OPSAT 3000 system is designed to guarantee very high service performance, combining the high-resolution optical technology on board and the on-ground system's data acquisition and processing capability. The satellite, provided by the Israel Aerospace Industries Company, is designed to have a low weight, high autonomy, remarkable agility, low consumption, and high reliability. The launch of OPSAT 3000 through a Vega launcher produced by Avio is a great satisfaction for all of us in the Italian space industry, mostly thanks to the support of the Italian Space Agency. OPSAT 3000 will be able to interoperate with the second generation Cosmos SkyMed system to provide to the customer an integrated wide range of products, radar and optical. I would like to take this opportunity to thank the Italian Ministry of Defense for the spirit of the extreme cooperation they have expressed in this project, as well as the industrial team that has delivered its competence and commitments. Let me mention in particular the very good relationship of cooperation that has been established with the Israeli colleagues. Cross finger for a successful mission. Indeed. And effectivement, nous avons été repris par la station de poursuite de Saint-Hubert. L'étage supérieur Avum nous envoie de plus en plus haut dans l'espace. Et si vous regardez en bas à gauche, vous voyez l'altitude. Au milieu, la distance par rapport au pas de tir, s'il fallait tirer une ligne droite du pas de tir à la position présente sous le lanceur, là, en dessous, vous avez la vitesse. Extinction de la VOOM. Donc, l'étage supérieur Avum vient de couper son moteur et nous abordons désormais la manœuvre d'orientation avant la phase balistique. Nous abordons donc une phase d'orientation pour la phase balistique. Balistique, cela veut dire sans propulsion. Autrement dit, nous sommes suffisamment haut en altitude et rapide pour avancer sans moteur.
C'est donc la première de deux phases balistiques ou phases de côte pendant ce lancement. Cette première phase durera environ 26 minutes. Le programme de ce soir, en fait, se déroulera en trois parties ce soir. Fin de la manœuvre d'orientation et début du mode barbecue. Donc, on vient d'annoncer la phase de rotation barbecue, comme on l'appelle, ce qui veut dire qu'on fait une rotation pour maintenir les températures. Vous pouvez imaginer que d'un côté, ça peut s'échauffer quand vous êtes face au soleil et de l'autre côté, très froid. Donc, il faut maintenir une homogénéité de température à bord. La première partie, donc, je disais, c'était suite au lancement. La deuxième partie va s'intéresser au premier passager à être éjecté, OPSAT 3000, et nous allons écouter plus d'informations là-dessus. Et ensuite, sur la partie 3, nous nous intéresserons au deuxième passager, Vénus. Nous allons donc faire une petite pause. Nous reviendrons d'ici 12 minutes environ. Le commentaire reprendra à 11h27, heure de Kourou, c'est-à-dire 2h27 GMT. En Italie, ce sera 4h27 et 5h27 en Israël. Donc, on vous laisse revisionner les images. Nous allons placer deux satellites en orbite ce soir pour le compte des Français, Israéliens et Italiens. Il s'agit des satellites OPSAT 3000 et Vénus, deux satellites d'observation de la Terre, OPSAT 3000 pour le ministère de la Défense italien et Vénus pour les agences spatiales israéliennes et françaises. Nos satellites ont quitté le pâtir il y a une demi-heure environ, ici, à bord du plus petit lanceur de la famille Arianespace. Et dans la première partie de notre retransmission, nous avons suivi le lancement jusqu'à l'extinction de l'étage supérieur Avum, que l'on peut également prononcer Avom. Et maintenant, vous pouvez voir ce qu'il reste du lanceur. Et nous sommes en phase de rotation barbecue afin de maintenir les températures à un niveau équivalent tout autour du lanceur et des satellites. Alors, vous avez sans doute le sentiment que tout ceci est très lent, alors qu'en fait, c'est très rapide. Si vous regardez en bas de votre écran, vous voyez tout en bas à droite que nous voyageons à une vitesse de 7,70 km par seconde. Par seconde, j'ai bien dit par seconde, mesdames et messieurs, et non pas par heure. Les équipes au centre de contrôle dans la salle qui s'appelle la salle Jupiter. Nous sommes au centre de contrôle Jupiter. Effectivement, au CSG, il y a plusieurs centres de contrôle. Les centres de contrôle de lancement sont reliés à chacune des zones de lancement, mais il n'y a qu'un seul centre de contrôle des missions. Et ici, vous avez les équipes opérationnelles qui sont dans ce que l'on appelle le bocal. Le bocal, c'est cette structure en verre que vous voyez. En haut, à droite de l'écran, vous voyez que
Au départ de notre vol, nous avions une ascension très rapide. L'ascension est moins rapide. Le premier satellite qui va être largué est OPSAT 3000. Quelques mots sur ce satellite. OPSAT 3000 est un satellite de télédétection équipé d'une caméra optique à haute résolution réalisée par le ministère de la Défense italien. La mission a été décidée suite à un accord intergouvernemental entre l'Italie et Israël. C'est un satellite de masse faible avec une consommation électrique réduite, une grande autonomie et fiabilité, une souplesse opérationnelle remarquable et une très bonne qualité d'image. Les équipements du segment sol nécessaires pour opérer le satellite sont tous déployés en Italie et incluent deux centres de contrôle, un principal et un secours, et un centre de traitement et de programmation de la charge utile. OPSAT 3000 sera en connexion avec le système de seconde génération de Cosmo SkyMed pour offrir à nos clients des produits radar et optiques sur une large échelle. Telespazio est le contractant principal et gère la mission complète, incluant la réalisation de l'ensemble du segment sol et la fourniture d'un service opérationnel avec un support de logistique intégré. Telespazio a acquis le satellite à la division espace de l'IAI ainsi que quelques éléments du segment sol. Le suivi du service de lancement et les adaptations d'interface avec Vega ont été à la charge de OHB Italie en tant que sous-contractant de Telespazio. Une excellente coopération a été établie avec le client et les industriels du programme, ainsi qu'une vraie amitié de toutes les équipes. Je tiens à tous les remercier pour leur professionnalisme hors normes, leurs compétences et leur disponibilité qui a permis de tenir tous les objectifs de ce programme. Et maintenant, notre lanceur a été repris par la station de suivi de Jeju au large de la Corée. Et maintenant, quelques mots sur Telespazio, qui est une grande entreprise italienne qui a une grande expérience des systèmes spatiaux. Thank you.
Et si vous regardez maintenant en bas à gauche de l'écran, vous voyez que nous venons d'atteindre notre orbite de 450 km. Donc nous n'allons plus être en phase d'ascension, comme vous le voyez en haut à droite. Nous atteignons un plateau. La vitesse est bonne. Et le moteur vient d'être allumé pour son deuxième allumage, ce qui va nous permettre de passer d'une orbite elliptique, c'est-à-dire ovale en forme d'œuf, à une orbite circulaire. Nous sommes à la bonne altitude et nous allons maintenant passer sur une orbite circulaire. L'AVOM, c'est l'étage intelligent, c'est la partie intelligente du lanceur. Son travail consiste à livrer le passager sur son orbite et il est conçu pour pouvoir injecter différentes charges utiles sur différentes orbites. Ses moteurs peuvent s'allumer et s'éteindre jusqu'à 20 fois. Et les satellites sont fixés grâce à cette structure noire que vous voyez au milieu qui nous cache Vénus et qui s'appelle Vespa. Donc vous avez OPSAT devant, OPSAT 3000. Vous voyez la structure dorée ici à droite. De l'étage AVOOM. Nous venons d'avoir la deuxième extinction de l'étage AVOOM. Et nous début nous de la approchons manœuvre d'orientation au profit d'OPSAT 3000. De la séparation d'OPSAT. Et le DDO vient de nous annoncer le début de la manœuvre d'orientation, ce qui va nous permettre de placer OPSAT dans la position exacte qui va marquer le départ de son voyage dans l'espace. Et bien entendu, il faut être très précis dans l'orientation. Satellite OPSAT 3000. Séparation du satellite OPSAT 3000. Donc toutes ces orientations et maintenant séparation d'OPSAT 3000 qui vient de nous être confirmée. Donc félicitations à toutes les équipe d'OPSAT 3000, mais il nous reste Vénus, c'est la prochaine phase de notre voyage qui va nous permettre d'amener Vénus sur son orbite avant la séparation. Donc, bonne chance à OPSAT 3000, bonne chance aux équipes au sol qui vont maintenant prendre la main sur ce satellite, qui vont le faire voler. Et la séparation s'opère grâce à une série de ressorts qui éloignent le satellite du lanceur afin d'éviter toute collision. Et tout cela est évidemment préparé et contrôlé très étroitement. Alors maintenant, nous passons à la phase suivante pour grimper à 720 km au-dessus de la Terre. Et nos équipes ont évidemment travaillé ensemble pour développer les programmes satellites. Les activités réalisées en collaboration avec Arianespace pour les services au lancement de OPSAT 3000 ont été à la fois passionnantes et motivantes. Ces activités ont débuté par les phases préliminaires où la compatibilité du satellite à l'environnement de Vega a été vérifiée,
afin d'éviter tout problème potentiel pendant la mission. La configuration au lancement comportant OPSAT 3000 comme passager en position haute et Vénus en passager en position basse, satellite fabriqué aussi par IAI MBT, a représenté un réel défi pour les équipes lanceurs et satellites. Arianespace a assuré le programme OPSAT 3000 en utilisant tout son héritage technique avec une approche consolidée du management. La campagne de préparation au lancement a été étonnante, donnant aux clients la sensation réelle que tous les aspects du système étaient sous contrôle et tels que prévu. Pour moi, personnellement, ayant travaillé pendant 10 ans sur le programme de développement du lanceur Vega, avant de commuter vers le marché des satellites, le lancement de OPSAT 3000 est une parfaite conclusion et une expérience professionnelle merveilleuse. Une dizaine de secondes après la séparation du lanceur Vega, le satellite OPSAT 3000 débutera une phase d'opération autonome, allant de l'arrêt de la mise en rotation avec le début du déploiement des panneaux solaires jusqu'à l'activation de l'état stable dit mode de routine. Le satellite restera dans cette configuration jusqu'à la fin de la phase autonome, excepté si on détecte des malfonctions ou dans ce cas, le mode de maintenance sera activé automatiquement. Le premier contact avec OPSAT 3000 sera établi par le centre de contrôle de l'IAI MBT de Tel Aviv. Après cela, deux phases de tests en orbite, appelées IOT, sont planifiées. La première sera faite en Israël, dans le centre de l'IAI MBT, et la seconde se fera en Italie depuis les centres de contrôle opérationnels de Fucino, Vigna di Valle et Pratica di Mare. Les équipes de l'IAI et de Telespazio travaillent ensemble durant ces phases d'activité importantes, avec aussi la participation des personnes du ministère de la Défense italienne. Donc voilà ce qui se passe maintenant. Et bien entendu, les êtres humains ont développé des liens forts sur des projets comme ça. Nous avons entendu de plusieurs intervenants que la coopération était fructueuse. Donc vous voyez à droite cette image du monde et notre trajectoire de vol nous a emmenés au nord, au sud des Caraïbes, jusqu'au Terre-Neuve. Ensuite, on a traversé l'Arctique pour revenir en descendant à travers la Sibérie pour passer au sud du Japon où la séparation de OPSAT 3000 s'est effectuée. Et nous allons désormais vers le sud, vers la côte ouest d'Australie. Nous traverserons ensuite l'Antarctique pour revenir vers l'Amérique du Sud, où nous séparerons notre deuxième satellite, Vénus, la partie nord-ouest de l'Amérique du Sud. Donc, toutes ces opérations sont suivies par ces équipes ici au CVI, donc la station de contrôle visuel immédiat, ou CSG. En fait, ils suivent le vol en temps réel et s'assurent que tout suit les plans. Les centres de poursuite envoient les données qui ont été envoyées à partir du lanceur, les envoient à ces équipes. Et ils suivent toutes les manœuvres en temps réel, au fur et à mesure qu'elles se déroulent. Ils comparent les données de sorte qu'ils puissent se faire une image continue du comportement du lanceur et ensuite ils transmettent ces informations au directeur des opérations ici, qui est au contrôle mission ici même, Antoine Guillaume, qui a effectué les annonces tout au long de du lancement de ce soir. Bien entendu, ils peuvent aussi analyser les données a posteriori et vérifier un peu l'efficacité et les performances du lancement. Nous arrivons à cette deuxième phase. Nous sommes dans la deuxième phase balistique, de coasting, comme on dit en anglais. Et ça va être l'occasion pour nous de prendre une nouvelle pause. On se retrouvera à... minuit 11, ce sera en France à 5h11 et en Israël, évidemment, ce sera 6h11 puisqu'ils sont des lève-tôt là-bas. Donc j'espère que vous avez tous vos tasses de café à portée de la main. Nous vous laissons avec une retransmission des épisodes précédents.
Hello again and welcome back. Eh bien, nous nous retrouvons, bienvenue sur notre programme de retransmission. Shalom to all of you from Israel. After years of development, of hard work of our finest engineers, technicians and other team members, we have reached this date, the launch day of the Venus satellite. Israel is a state with great beauty, great people, and a state of science, technology, and innovation. It is my duty as the Minister of Science and Technology to continue to advance the fields in which Israel excels and which ensure its future. Space is definitely one of them. This year we had already launched 3 nanosatellites into space. One of them, Duchifat, was built and is operated by high school students from all over Israel, from Jewish cities, Arab towns, and Orthodox communities. This project proves that science truly can build bridges over cultural barriers. The Venus project is a joint effort between the Israeli Space Agency and France's Space Agency, CNES, and it is a prime example of our close cooperation with the French government and the French people. I believe that Venus will have a positive impact not only on research, but on the environment itself. Personally, I am looking forward to see the first multispectral images of the Israeli Negev, where Venus can assist in development of better agriculture planning. I hope that with images from Venus, our scientists will learn more about water and soil pollutions and will be able to develop better monitoring and solutions. Finally, I want to thank all the teams that worked on the Venus project and its launch into orbit. The IAI, ELO, Rafael, the team of ISA within the Israeli Ministry of Science and Technology, CNES, and the Ariane Vega launcher team in Kourou. Good luck to you all. Good luck to Venus. Warm greetings from Israel. Nous venons d'entendre le ministre de la Défense israélien qui vient de nous parler de Vénus, le second satellite que nous allons placer sur orbite dans la deuxième partie de notre programme. Donc, nous parlons maintenant avec Marino Franito, qui travaille chez Ariane Espace, qui est vice-président de la Business Unit Vega. Marino, merci de nous rejoindre. Marino, vous êtes à ce poste depuis 1 an et demi. Vega fonctionne depuis 2012. Que s'est-il passé pour Vega? Les choses se passent très bien. Ariane Espace a repris la responsabilité en septembre. Et c'était le premier lancement. Désolé, Marino, je crois qu'on ne vous entendait pas. On s'est rendu compte que le micro de Marino n'était pas branché. Marino, vous travaillez avec Vega depuis 1 an et demi. Comment ça se passe? Les choses se passent très bien. Ariane Espace a repris la responsabilité avant le lancement de le VP07, donc c'était le 7e lancement Vega qui s'est déroulé en septembre 2016. Et depuis, nous avons déjà effectué pour des lancements Vega, ce qui veut dire, donc on a fait plusieurs lancements en 1 an et demi. Ça veut dire que Ariane Espace a fait un super boulot de marketing pour Vega et d'exploiter Vega sur ce site. Et Vega se passe très bien. Eh bien, ça se passe effectivement très bien. Qu'est-ce que cela veut dire au niveau des coûts? Bien entendu, c'est un cercle vicieux, vertueux qu'on essaye de créer, car nous avons réduit les coûts depuis l'introduction de Vega, le premier lancement donc en 2012. Et cela a permis d'accélérer le rythme de lancement au rythme que l'on connaît aujourd'hui. Et si on en lance plus, ça veut dire qu'on pourra réduire les coûts d'autant plus rapidement, ce qui
sera bénéfique pour l'exploitation de Vega. C'est un lanceur très intéressant parce que c'est un véritable effort d'équipe en termes d'organisation. Effectivement, c'est un véritable exemple de réussite de coopération internationale qui, comme en témoigne le lancement ce soir, une coopération entre l'Italie, Israël et la France. Et je dois dire que nous avons connu une coopération fantastique entre la France et l'Italie sur ce programme Vega. C'est une grande réussite. Les gens travaillent ensemble au quotidien, les Français, les Italiens, et nous avons formé vraiment des liens d'amitié et d'équipe. Très rapidement, on va regarder une vidéo, mais on va parler de Vega C. L'avenir, en fait, se présente très bien. Pour Vega. On en reparlera tout à l'heure. Oui, on va regarder maintenant la vidéo et notre satellite Vénus. Israel Aerospace Industries a construit les deux satellites. Les deux satellites OPSAT 3000 et Vénus ont été conçus et réalisés par l'IAI, l'industrie aérospatiale israélienne. Ces deux satellites représentent deux applications différentes des possibilités et des capacités de l'imagerie terrestre satellitaire. D'un côté, nous avons le satellite OPSAT 3000 pour le ministère de la Défense italienne. OPSAT 3000 est un exemple de la troisième génération de satellites de reconnaissance développés par l'IAI. La mission de ce satellite est de produire une collection d'images à très haute résolution pour le ministère de la Défense italienne. De l'autre côté du spectre de l'imagerie satellitaire, nous avons le satellite Vénus, qui est le porte-drapeau de la coopération entre l'Agence spatiale israélienne et le CNES. Sa mission est de surveiller la végétation et l'environnement des sites d'intérêt pour un groupe international de chercheurs scientifiques. À cette fin, le satellite est équipé d'une charge utile superspectrale de 5,3 mètres de résolution dans 12 bandes, optimisée pour la collection de données des scientifiques. L'orbite a été conçue pour pouvoir survoler un site d'intérêt parmi 130 tous les deux jours. Les images sont déchargées et distribuées depuis la station Sol de Toulouse. Une autre mission intéressante de Vénus est que ce satellite emporte une expérience technologique pour tester la propulsion électrique. Cette expérience est basée sur l'effet Hall pour des tuyères utilisant le xéon. Ce système de propulsion a été développé par Rafael en Israël. Ce système sera utilisé pour abaisser l'altitude de l'orbite initiale à 720 km vers l'altitude de 410 km et de la maintenir grâce à un système de contrôle en orbite. Ces deux missions sont suivies en coopération internationale active entre Israël et la France pour le programme Vénus et entre Israël et l'Italie pour OPSAT 3000. Je voudrais remercier, féliciter et envoyer mes meilleurs souhaits au gouvernement italien, français et israélien, ainsi qu'aux industriels engagés dans ces deux projets. Merci. Donc, Vénus, on croirait entendre parler d'une mission scientifique pour aller à la découverte du système solaire, alors qu'en fait, cela veut dire surveillance de la végétation et de l'environnement sur un nouveau microsatellite. La science, voilà de quoi on parle finalement. C'est le premier programme d'observation terrestre entre deux agences spatiales, l'agence spatiale israélienne ISA et l'agence spatiale française, le CNES. Et les Israéliens sont responsables de la construction du satellite du centre de contrôle terrestre. Bye.
Donc, côté altitude, nous avons grimpé 714 km au-dessus de la Terre. Vous voyez la trajectoire à droite. Nous approchons maintenant de l'altitude de séparation. Nous étions à 716 km là-dedans. Vénus a à bord un certain nombre de technologies innovantes et qui nous permettront de mieux comprendre notre planète. Vénus n'est pas un satellite comme les autres. Pour la première fois, des régions du globe vont être observées pendant plus de 2 ans, tous les 2 jours, avec une résolution au sol de 5 mètres. Vénus va suivre l'évolution des phénomènes naturels comme la croissance des cultures ou les variations du manteau neigeux. C'est un satellite démonstrateur des nouveaux services rendus possibles grâce à des prises de vue fréquentes, à haute résolution spatiale et acquises dans des conditions de visée identiques. La mission première de Vénus est de fournir aux scientifiques des mesures pour comprendre le fonctionnement de la végétation sous l'influence du climat et des activités humaines. D'autres applications sont aussi à l'étude. Jusqu'à présent, un satellite d'observation de la Terre à haute résolution, en orbite héliosynchrone, observe des zones préalablement définies tous les 10 à 15 jours. Mais fréquemment, la couverture nuageuse et la présence des aérosols limitent la production des images. Cette fréquence est insuffisante pour suivre de nombreux processus comme le développement des cultures. Sur ce point, Vénus est un satellite innovant. Il va observer une centaine de sites avec une fréquence de revisite de 2 jours. Cette dernière, maintenue durant 2 ans et demi, est exceptionnelle pour un satellite à haute résolution et constitue une première mondiale. Grâce à ses performances, une image en haute résolution multispectrale sera produite tous les 10 jours dans laquelle nuages et aérosols ont été éliminés. Aujourd'hui, pour les scientifiques, s'ouvre un nouveau champ d'application sur l'état des écosystèmes terrestres. Par exemple, seront possibles le suivi dynamique de l'occupation des sols et des cycles de la végétation, la détection des stress et des besoins en eau des cultures, l'estimation des rendements, la cartographie de feux de forêt et des feux de brousse, le transport des sédiments dans les rivières et les estuaires, ou encore le déplacement des glaciers et la débâcle des fleuves sibériens. Comment Vénus permet-il de s'affranchir des nuages ? Pendant les 2 jours séparant 2 observations consécutives d'un même site, la couverture nuageuse et la présence des aérosols peut changer considérablement, tandis que la végétation, elle, évolue peu. Pour un site donné, l'angle de visée, l'heure de visée et les conditions d'éclairement restent constants. Grâce à la superposition des images obtenues à partir de prises de vue stéréoscopiques et à l'utilisation d'algorithmes complexes, les ingénieurs du CNES et du CESBIO déterminent avec précision la présence ou non des nuages et des aérosols et peuvent s'en affranchir après correction. Pour cela, le satellite est équipé d'une caméra munie de 12 bandes spectrales allant du bleu au proche infrarouge. Les bandes spectrales ont été choisies pour caractériser l'état de la végétation, estimer plus facilement l'épaisseur optique des aérosols et le contenu en vapeur d'eau de l'atmosphère. De cette manière, il est possible de faire des corrections précises des diffusions et absorptions du rayonnement par l'atmosphère. Chaque scientifique peut alors choisir l'assemblage de bandes spectrales qui sert au mieux son domaine d'étude. Cette mission scientifique innovante annonce le futur des satellites européens d'observation de la Terre et des nouvelles méthodes d'exploitation des données pour les années à venir. Vénus va permettre, grâce à un instrument totalement nouveau et une mission avec une programmation très novatrice, d'observer la végétation et de façon répétitive, ce qui est quelque chose qui jusqu'à ce jour n'a pas été fait. Donc cela va nous permettre, sur un certain nombre de zones choisies de la planète, de voir comment le climat fait évoluer la végétation.
Israël est souvent présenté comme la Startup Nation ou le pays des hautes technologies, de l'innovation. Et à ce titre, bien sûr, le spatial est tout à fait impacté par cette culture de l'innovation qui existe en Israël. L'agence spatiale israélienne, Israel Aircraft Industries, développe de nombreux satellites, tous plus innovants les uns que les autres. Et pour le CNES, bien sûr, qui cultive aussi l'innovation comme un peu son ADN, eh bien, travailler avec Israël était tout à fait naturel. Nous avons de nombreuses coopérations, mais celle-ci a conduit pour la première fois à développer un satellite en commun. Il y en aura d'autres, nous préparons déjà l'avenir, mais donc déjà Vénus est le parfait exemple de la coopération entre Israël et la France. Donc un travail essentiel, un travail scientifique pour Vénus, et bien entendu, toutes ces données sont absolument essentielles pour que les scientifiques disposent des informations irréfutables dont ils ont besoin pour améliorer notre connaissance de la Terre. Car cette Terre est notre foyer, c'est là que nous vivons, nous n'avons pas d'autre solution. Donc l'Agence spatiale européenne travaille sur des technologies tout à fait passionnantes. Nous allons les découvrir en images. Israël. As one of the smallest countries on Earth, is barely visible from space. And yet, the Israeli Space Agency's innovative and groundbreaking technologies have led the way to outstanding achievements in the field of space exploration. Israel is among the few countries in the world which develop, build, launch, and operate satellites in space. Geographical and safety constraints have forced Israel to launch satellites in an opposed trajectory to what is customary in the world, which drove the scientific community in Israel to be creative and excel in order to achieve high required performance for small satellites. The Israeli space industry has recorded many achievements, such as the development of communication and Earth observation capabilities, high-resolution electro-optical satellites, and advanced synthetic aperture radars, which can also be used at night and under all weather conditions. The Venus satellite, a joint effort with the French Space Agency, is a microsatellite with electric propulsion, offering superspectral remote sensing capabilities of the Earth, utilizing 12 different spectral bands, and thereby enabling environmental monitoring as well as assisting in precision agriculture. The next generation of satellites will offer hyperspectral remote sensing, using 240 different spectral bands, covering the full spectrum from visible light all the way up to 2.4 microns. This will allow for molecular level monitoring of vegetation, environmental pollutants in bodies of water and on land, and the monitoring of quarried substances. The Technion, Israel's Institute of Technology, is currently working on the first of its kind experiment, in which it intends to design, launch, and prove flight capability of three-formation nanosatellites. This nanosatellite will enable, among other things, the locating and identifying of people at risk. Israel's ground mobile broadband services, based on satellite communication systems, have already saved many lives around the world during natural disasters and will be visually enhanced as part of a collaboration with the UN SPIDER initiative. Israeli space technology and contributions can even be found as far as Mars, as part of the Curiosity project, where a unique sensor cooling system developed in Israel has been successfully integrated. Israel believes its most important resource is its human resource. As part of the Startup Nation, Israeli children grow up in a highly creative environment. From an early age, they're encouraged to dream and are supported in developing all the necessary intellectual tools to make those dreams come true. Not just through classroom work, but through hands-on experiences. Many children dream of becoming astronauts, like Ilan Ramon, an Israeli astronaut on board the Columbia space shuttle.
Some young entrepreneurs are part of the core team of SpaceIL that's currently competing for Google's Lunar X Prize. University graduation percentage rates in Israel are among the highest in the world. Israeli academic institutes continue to push the envelope and develop futuristic technologies such as quantum computing, developments which will lead to significant scientific breakthroughs in the decades to come. 8 Nobel Prizes were won by Israeli scientists thus far. As a small country, Israel is gearing its space industry towards large-scale collaborations. Many of Israel's technological advancements are meant to integrate with multinational projects for various organizations and communities. The Israeli Space Agency and industry will continue to welcome international collaborations that will help work towards a prosperous future for humankind. Towards an era with no limits, where micro turns to macro and nano to astro. So back to today's mission and the Ava upper stage. Donc pour notre mission d'aujourd'hui, notre moteur, notre étage Avum est sur le point de rallumer son moteur. C'est le septième lancement Vega pour une satellite d'observation de la Terre. Marino, vous êtes avec nous. Ce lanceur est très adapté. Oui, absolument. Les paramètres bord sont normaux. En fait, les missions sont de plus en plus basées sur des plateformes de petits satellites, et bien sûr, avec des orbites basses. C'est pourquoi Vega correspond parfaitement à ce type de mission. Et c'est vraiment une tendance du marché que l'on voit se développer, que les missions d'observation sont de plus en plus basées sur des petites plateformes. On l'a vu déjà depuis plusieurs années. Et c'est ce qui se confirme aujourd'hui. Et la mission d'aujourd'hui en est un exemple très clair, meilleur qu'on puisse avoir. Absolument. Et pour l'instant, tout est nominal. L'étage supérieur Avum vient de rallumer son moteur exactement dans les temps. Et nous nous approchons maintenant de la phase suivante dans notre vol. Marino, nous parlions de l'avenir tout à l'heure. Et nous venons d'entendre encore une fois que les paramètres de bord sont nominaux. Marino, parlons du passé et de l'avenir. Bon, nous avons déjà dit que nous construisons l'avenir avec le Vega C qui va avoir des plus de capacité et de performance à un prix abordable. Donc l'étage vient de rallumer son moteur et notre étage supérieur est en train de procéder à ses manœuvres d'orientation. Nous sommes sur l'orbite à une altitude de 727 km. Vous avez la vitesse qui s'affiche en bas à droite. Nous sommes à 7,58 km seconde. Vous allez voir la distance également du pâtir qui a diminué, car nous nous en rapprochons. Séparation du satellite Vénus. Et voilà, nous venons d'avoir la confirmation de la séparation, du satellite Vénus. Et félicitations à toutes les équipes. Félicitations aux agences spatiales françaises et israéliennes et à toutes les équipes qui ont travaillé à ce magnifique projet. Et tous nos vœux maintenant à toutes les équipes qui vont reprendre la main sur nos deux satellites lancés ce soir. Donc, Marino, quelques mots avant que vous ne rejoigniez vos collègues. Nous sommes vraiment très heureux d'avoir pu réaliser ce lancement une fois de plus avec cette mission et nous attendons confirmation
que les satellites sont bien en orbite, mais c'est la chose la plus importante déjà pour ce soir. Absolument, nous allons maintenant attendre l'acquisition du signal. Marino, je vais vous laisser maintenant rejoindre vos collègues et vos clients et nous allons attendre les discours officiels. Je vous remercie. Merci Marino. Eh bien, voilà ce que vous avez vécu avec le décollage du pas de tir au Centre spatial guyanais dans le beau ciel nocturne de la Guyane. Le 10e lanceur Vega avec 10 vols réussis sur 10, 10 succès sur 10. Nous avons eu énormément de chance ce soir. Le ciel était clair et dégagé. Nous avons de très belles images. Nous avons pu suivre le lanceur pendant près de 2 minutes. Et Vega n'a pas terminé son travail. Nous avons la phase de passivation. Et vous voyez que le signal est maintenant repris par la station des Bermudes. Nous continuons le suivi. Le suivi du lanceur et des visages très heureux. Nous avons eu l'acquisition du signal, c'est ce que l'on peut lire sur les visages. Donc 10 vols réussis, 10 missions réussies sur 10 lancements. Revoyons toutes ces missions depuis le premier lancement en 2012. To remember indeed.
Et oui, nous nous souviendrons de cette soirée. Mesdames et messieurs, aux distingués, Arianespace a le plaisir de confirmer que OPSAT 3000 et Vénus ont connu une séparation sans problème sur leurs orbites héliosynchrones ciblées. Pour la deuxième fois cette année, et la dixième depuis le début de la famille Vega, nous sommes de nouveau avec la réussite au rendez-vous. Donc, bravo. Le vol de Vega de ce soir visait deux programmes d'observation terrestre et le premier passager, OPSAT 3000, est le quatrième satellite lancé par Arianespace pour le ministère italien de la Défense. J'aimerais exprimer ma grande gratitude au général Giuseppe Scamba qui nous a honoré sa présence ce soir. Nous sommes fiers d'avoir réalisé et réussi ce vol pour l'Italie avec le plus italianissimo des lanceurs, le Vega. J'aimerais aussi adresser ma reconnaissance à Giuseppe Itali qui est le maître d'œuvre d'OPSAT pour Téléspatio, responsable du système dans l'ensemble. Le second passager Vénus, dédié à la surveillance de la végétation, a été développé par l'ISA, l'Agence spatiale israélienne, sous l'égide du ministère des Sciences et des Technologies, et avec le CNES, équipé des tout derniers outils pour l'observation du changement climatique, et Vénus contribuera aussi au programme Copernicus. J'aimerais aussi rendre hommage au directeur de l'ISA, M. Avi Blasberger, et Jean-Yves Le Gall, président du CNES, qui ont assisté à ce lancement. J'aimerais aussi souligner et saluer la présence du directeur général du ministère de la Science et de la Technologie, M. Pérez Vazan, ainsi que l'ambassadeur israélien en France, Mme Aïssa Bin. Enfin, mes félicitations à Israel Aerospace Industries, IAI, qui a fabriqué les deux satellites de ce vol. OPSAT 3000 et Vénus sont respectivement les troisième et quatrième satellites IAI qui ont été mis sous orbite par Arianespace depuis 1996. Nous espérons pouvoir saisir d'autres opportunités de continuer sur cette route à l'avenir et avec le président et PDG de l'IAI, Joseph Weiss aussi, que nous saluons ce soir. 10 sur 10. Avec ce vol de ce soir, nous avons un score remarquable qui souligne les performances opérationnelles remarquables de Vega depuis l'introduction de cette famille en 2012. En 5 ans d'activité, notre véhicule léger a déjà mis sous orbite en fait 25 satellites pour 19 clients du monde entier, tant institutionnels que commerciaux, qui dessert une variété d'applications spatiales telles que l'observation terrestre, la science, la technologie et l'éducation. J'aimerais donc féliciter tous nos partenaires pour ce dernier succès en date, en commençant par Avio, Vega, le maître d'œuvre de Vega, avec qui nous avons lancé une nouvelle organisation opérationnelle pour cette nouvelle campagne pour améliorer notre compétitivité. Complimenti à toutes les équipes de Colle Ferro. J'aimerais aussi adresser mes souhaits et remerciements les plus chaleureux à Avio et à son PDG, Giulio Granzo, qui sont partenaires avec Arianespace pour la réussite de Vega. Nous travaillons déjà à Vega C, qui est prévu en vol inaugural en 2019, avec déjà deux contrats qui sont engrangés. Notre prochain défi sera le 100e lancement de Vega. Donc, si on reste sur le rythme, ça devrait se passer d'ici 25 ans. Félicitations également à l'Agence spatiale européenne et aux agences nationales, avec ASI en tête de liste, pour ce soutien continu que vous avez apporté au programme Vega. Nous avons déjà eu l'occasion de saluer Roberto Battiston et M. Bianchi. Je vous remercie de votre soutien. J'aimerais remercier notre partenaire, le CNES, avec qui nous travaillons au quotidien, au CSG, ainsi que nos prestataires en Guyane française et tous les employés au site de lancement. Et bien entendu,
j'aimerais féliciter tous nos collègues Arianespace qui ont contribué à cette réussite, Mario Franito, notre directeur de programme en particulier, et tous nos partenaires d'Arianespace pour cette nouvelle réussite. C'est le 265e lancement réussi de notre famille de véhicules spatiaux à partir du CG. J'aimerais maintenant accueillir à la tribune nos partenaires et clients. Good evening, or better. Bonsoir, ou plutôt bonne nuit, très belle nuit. Je suis Lorenzo Donghia de Telespazio et je souhaitais vous dire toute ma joie d'être ici ce soir, car je suis ce programme depuis sa conception en 2012. Et OPSAT 3000 est un projet très important pour Telespazio parce qu'il va permettre l'observation de la Terre pour le compte du ministère de la Défense italien. Le système est composé de systèmes optiques de très grande qualité et de segments au sol qui vont maintenant traiter les images, faire l'acquisition de signal. Le système est fourni par Telespazio. Je voulais vous rappeler que Telespazio est une joint venture entre Leonardo et Thales. Leonardo, entreprise italienne qui détient 67% de la joint venture. Thales, entreprise française qui détient 53% de la joint venture. Telespazio est responsable de la fourniture de tout le système, depuis le satellite jusqu'au segment au sol, et qui s'occupe également de tous les aspects logistiques et autres. Et ce programme représente une coopération tout à fait réussie avec le ministère de la Défense italien, qui confirme une coopération de long terme, qui a commencé avec la constellation Sicrale pour des télécommunications et la constellation SkyMed pour l'observation de la Terre basée sur des technologies radar. Le satellite a été lancé par Arianespace avec un lanceur Vega, un lanceur de qualité exceptionnelle produit par une autre entreprise italienne, Avio. Et tout ceci est la démonstration des capacités industrielles de l'Italie dans le secteur de l'espace, tout ceci étant soutenu, bien entendu, par l'Agence spatiale italienne. Ce satellite a été construit par Israeli Aerospace Industry, IAI, qui a été sélectionné par le ministère de la Défense italien dans le cadre d'un accord intergouvernemental entre l'Italie et Israël. Et ce programme confirme les relations d'amitié très solides qui existent entre l'Italie et Israël, qui, dans le domaine de la défense, travaillent ensemble depuis de nombreuses années. OPSAT 3000 va maintenant fonctionner avec les constellations de deuxième génération Cosmos SkyMed qui vont permettre au ministère de la Défense italien d'avoir accès aux technologies les plus avancées grâce à l'intégration entre données optiques et radars qui seront générées par ces deux systèmes et qui permettront des observations de très grande précision. Enfin, je souhaitais mettre en lumière l'excellente coopération que nous avons eue avec nos collègues israéliens qui ont beaucoup fait pour le succès de cette mission. Et j'aimerais encore une fois remercier le ministère italien de la Défense pour
leur grande coopération dans le cadre de ce projet. Et j'aimerais également remercier les équipes industrielles qui viennent de démontrer leurs compétences et leurs capacités. Encore un grand merci et bonne chance à tous. My dear friends, chers amis, nous venons de passer une heure et demie fantastique ensemble. On a ainsi pu témoigner et visionner les énormes capacités d'une équipe fantastique que je voudrais remercier au nom du ministère italien de la Défense. Nous avons avancé d'un pas de plus dans la coopération européenne spatiale. Chose dont nous avons vraiment besoin car nous vivons une époque où l'instabilité, la sécurité sont des défis importants et il y a un manque de sensibilisation à ces besoins. En tant que client, donc, j'aimerais remercier l'Agence spatiale européenne, l'Agence spatiale italienne, le CNES, Arianespace, Avio, Telespacio et l'industrie spatiale israélienne, IAI, et de nous avoir permis d'assurer la solidité du système qui va compléter ce qu'on a déjà mis en place à un moment où ces besoins sont vraiment critiques. Aujourd'hui, nous avons aussi établi les bases d'une meilleure coopération dans le domaine de la défense et c'est une chose qui est nécessaire aujourd'hui et j'espère que les autres partenaires, les autres alliés, les autres nations amies examineront et regarderont cette expérience avec beaucoup d'intérêt pour envisager une coopération militaire à l'avenir. Merci encore de tout ce que vous avez fait de la part du ministère italien de la Défense. Good night to everybody. Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Je pense que là, nous venons d'aboutir à la fin d'une très belle expérience. Et de mon côté, j'aimerais féliciter et remercier toutes les parties impliquées, à commencer par nos partenaires industriels, Telespazio et l'IAI, car nous avons travaillé ensemble depuis le tout début de ce projet et ensemble, nous avons su résoudre tous les problèmes des phases critiques auxquelles nous avons dû faire face. Je voudrais également remercier Arianespace et son partenaire, le CNES, pour l'excellent travail réalisé avant et durant la campagne de lancement qui a été gérée, je puis vous l'assurer, d'une manière exceptionnelle qui nous a permis, dès le départ et jusqu'au bout, de nous trouver en situation très confortable. Enfin, je souhaite remercier Avio et les équipes industrielles du lanceur qui nous ont démontré qu'ils étaient tout à fait justifiés sur le projet Vega. Encore un excellent succès. Et enfin, un grand merci à notre utilisateur final, le ministère italien de la Défense, qui nous soutient et qui soutient l'implication industrielle depuis le début de ce projet. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à attendre les premières images que nous allons télécharger de l'espace pour commencer cette phase très importante de notre mission. Je vous remercie. Good night. Bonsoir, bonne nuit. Jean-Yves Le Gall, Monsieur Jean-Yves Le Gall, président du CNES. Son Excellence Alexa Benoun, ambassadrice Israël en France, Monsieur Roberto Battison, président de l'Asie, M.
Monsieur Stéphane, Israël, président exécutif d'Arianespace, Monsieur le représentant, Monsieur Stéphane Obianki, représentant des uns, Monsieur Joseph Weiss, président SEO d'Israel Aerospace Industries, chers invités, mesdames et messieurs, quel événement spectaculaire, annoncement d'une fusée en espace. Comme vous pouvez l'imaginer, c'est le premier satellite que lancement de satellite auquel j'ai jamais assisté. Donc, je m'en souviendrai à jamais. C'est un grand honneur pour moi d'avoir assisté à cet événement de ce soir, de célébrer le lancement réussi de Vénus. C'est le premier satellite financé par le gouvernement en Israël, et c'est en Israël, c'est un événement en soi déjà. C'est le plus petit satellite de recherche de son type dans le monde et le résultat fructueux d'une grande coopération entre l'ISA et le CNES. Israël, comme vous l'avez peut-être déjà entendu, est connu pour la qualité de ses ingénieurs et scientifiques. Notre industrie high-tech est le segment le plus en avant de notre économie, le plus avancé, le plus évolué, et l'industrie spatiale, bien que modeste, est pleine de grands talents, d'innovation et d'inspiration. L'objectif du ministère de la Science et de la Technologie, et pour moi-même en tant que directeur général de cet organisme, c'est de nous assurer que tout cela continue de prospérer en Israël. Avec un budget record sous la direction du ministre Akonis, nous nous préparons aux défis à venir pour l'industrie spatiale israélienne. Nos investissements dans l'espace se poursuivront et de plus en plus amplement l'année prochaine. Je veux voir de plus en plus de lancements et de plus en plus de réalisations israéliennes dans l'espace. Et pour venir à Vénus, ce satellite et le lancement d'aujourd'hui, nous avons atteint l'un des sommets de ce projet environnemental. Le voyage de Vénus en orbite a commencé avec la vision d'une poignée de personnes en 2005. Ce voyage, cette odyssée a créé un lien très fort entre les partenaires des agences spatiales concernées, les chefs de projet, les professionnels industrie et les membres du monde de la recherche ont appris à créer des passerelles pour surmonter les barrières culturelles et de langue. J'aimerais saluer le travail que vous avez réalisé. Et ça montre que l'innovation est universelle. Et ces relations vont nous amener à de nouveaux projets. Je suis certain que cela donnera lieu à de nouvelles missions. C'est aujourd'hui une occasion de vous remercier tous pour la patience, la détermination, la bonne volonté et la foi que vous avez accordée à ce projet et par-dessus tout la confiance mutuelle et le partenariat qui vont fonder un exemple excellent pour d'autres initiatives de coopération à l'avenir dans la communauté spatiale mondiale. Je suis bien confiant que pendant cette mission en orbite, Vénus va envoyer un grand nombre d'images multispectrales qui vont nous aider à prendre des décisions pour l'agriculture de précision, améliorer les ressources en eau et la surveillance des forêts. J'aimerais aussi remercier toutes les équipes qui ont travaillé sur le projet Vénus et son lancement en orbite, les équipes de l'IAI, ELOP et Raphaël, les équipes de l'ISA sous la direction de son directeur, donc M. Avi Blasberger, ainsi que ses prédécesseurs, l'équipe du CNES sous la direction de son président M. Jean-Yves Le Gall et son prédécesseur, et l'équipe du lanceur Vega Ariane à Kourou. Donc merci à tous et bonne chance à Vénus. Et j'aimerais Mazel Tov, va le faire. Merci beaucoup. Chers amis, dear friends, cari amici. Chers amis, chers collègues,
un grand événement. Les rêves deviennent réalité. Pour moi, qui ai participé à différents postes au programme Vénus depuis son tout début, depuis que nous avons commencé à parler de ce petit passager pour des missions environnementales, pour jusqu'à la signature du contrat, et aujourd'hui, je suis à un poste qui me permet de voir le lancement de ce satellite. J'ai bouclé la boucle. C'est un rêve qui devient réalité, car je suis absolument convaincu que ce satellite va permettre de grandes avancées pour le développement de l'agriculture et pour le développement également des moteurs de propulsion électrique en orbite terrestre basse. Chers amis, je suis convaincu que tout est possible grâce aux hommes et aux femmes. Et sans coopération étroite avec le CNES, avec Jean-Yves Le Gall et ses collègues à tous les niveaux, nous n'aurions pas réussi à surmonter les obstacles qui se sont présentés devant nous durant ce projet. Et je suis bien convaincu que cette amitié qui s'est nouée s'est concrétisée dans le cadre de ce programme et va perdurer à l'avenir. À nos amis italiens, je souhaite dire que notre amitié va également continuer de prospérer. Il est temps, je maintenant pour moi, d'exprimer mes remerciements aux équipes qui ont travaillé sans relâche à ce projet, les équipes du CNES, menées par Pierre-Yves, par Pierrick, les équipes d'Avio, les fabricants du satellite, les intégrateurs de satellite, Raphaël pour les systèmes de propulsion électrique, et enfin, sans les oublier, Ariane Espace et ses équipes pour ce très beau lancement réussi. Maintenant, la première phase est derrière nous et j'espère que nos satellites vont fonctionner comme prévu au bénéfice de la science et de l'environnement. Bonne chance à nos passagers, à notre satellite. Bonne soirée, qu'est-ce que je peux rajouter? En fait, c'est une grande nuit pour Ariane, pour tous, en fait. C'est le 18e, 19e satellite construit que nous avons pu lancer avec Ariane Espace. Nous en sommes fiers. Aujourd'hui, je me demandais si ces deux satellites, en tout cas, j'aimerais tout d'abord féliciter Ariane Espace de cette campagne très bien exécutée. C'est le troisième et quatrième satellite lancé par Ariane pour IAI, donc nous en sommes très reconnaissants. Et quant à nos clients et partenaires, l'Agence spatiale européenne, au CNES, l'Agence spatiale italienne, au ministre italien de la Défense, je le disais, nous sommes au début de notre mission. Tout le monde est heureux. Mais il y en a d'autres qui sont encore là à travailler. Nous attendons demain, d'ici quelques heures, pour avoir la première connexion pour recevoir les données de télémétrie. Et quelques minutes plus tard, d'avoir après OBSAT 3000, d'avoir la connexion avec Vénus, donc qu'on puisse parler, communiquer avec le satellite. Plus tard, d'ici 3-4 jours, nous commencerons à recevoir les premières images d'orbite. Donc, j'aimerais commencer. J'étais à l'origine des deux programmes de négociation. J'étais là au moment de la signature du programme aussi. Donc, pour moi, c'est un événement ce soir, ce lancement réussi. C'est d'ici quelques semaines, les opérations passeront aux équipes italiennes qui ont travaillé avec nos équipes. Et je suis certain que l'on fera les choses pour le mieux à ce stade. Ça a été un effort ambitieux qui a combiné une vision de coopération internationale et de technologie avancée pour
cette mission scientifique pour Vénus et pour le ministère italien de la Défense. Sans la base de relations entre la France, l'Israël et l'Italie, le projet d'aujourd'hui n'aurait pas pu se concrétiser. Aujourd'hui, comme vous l'avez entendu, beaucoup d'entre vous ont été impliqués dans ce projet. L'évolution va nous permettre de surmonter les problèmes programmatiques et technologiques. C'est le premier satellite construit en Israël pour un programme international de ce type. Et pendant de nombreuses années, nous avons pu servir l'industrie spatiale israélienne. Nous avons toute confiance que nous pourrons servir l'utilisateur final de ce satellite pour tirer tous les bénéfices de ce que le système peut proposer avec un outil de surveillance de la Terre basé dans l'espace qui permettra de mieux connaître, de mieux recevoir toutes ces données. Et avec ces deux caméras, les systèmes divers qui sont dédiés à ces missions scientifiques. Et pour conclure, j'aimerais parler de questions plus personnelles. Johnny, mon ami, vous avez pendant 15 ans travaillé avec nous. Nous avons eu des difficultés, mais à partir de cela, nous avons établi une relation solide et très bonne. Et aujourd'hui, vous m'avez comblé en nous invitant à venir ici, à l'île du Diable. Pour nous, l'île du Diable, c'était la ville où avait été emprisonné cet officier juif, Dreyfus, dans l'armée française dans les années, à la fin du 19e siècle. Pour tout un tas de raisons, il avait été condamné et envoyé pendant 4 ans dans cette île. Et après 4 ans, je crois que le gouvernement français a revu le jugement pour le libérer. Et il a pu même prendre part à la Première Guerre mondiale. Mais tout le monde ne sait pas le rapport entre Dreyfus et l'État d'Israël d'aujourd'hui. À l'époque, il y avait un journaliste, un juif, qui s'appelait Theodor Watzel, qui était à Paris, qui cherchait à couvrir ce jugement de Dreyfus, et il était arrivé à la conclusion qu'il fallait que les Juifs aient leur propre terre. C'était la conclusion à laquelle il était arrivé. C'était un des fondateurs du sionisme. Et donc, j'aimerais vous remercier de ce travail fait remarquablement, et nous attendons les premières images dès demain. Dear friend, chers amis, Madame l'ambassadrice, is a really great night. C'est une nuit absolument fantastique. C'est une très belle nuit à partager, car c'est une nuit de collaboration. C'est une nuit où nous pouvons être fiers d'être Européens, où nous pouvons être fiers d'être Italiens, parce que nous avons réussi beaucoup d'étapes entre la conception du lanceur, le lancement, la belle réussite de ce lancement. C'est sans doute le seul lanceur qui ait réussi 10 missions sur 10 lancements en si peu d'années. Donc nous sommes parvenus à la cadence 4. Et
Nous avons assisté au lancement ce soir de deux satellites très importants, avec de très nombreuses implications, et c'est véritablement une célébration des collaborations internationales. Il y avait l'implication du ministère de la Défense italien, qui va disposer maintenant de capacités ultramodernes qui vont lui permettre de collecter des renseignements de très grande qualité depuis l'espace. Et comme cela vient d'être annoncé par M. Spinotti, ministre de la Défense, pendant les interviews qu'il a données cette nuit, cela ouvre la voie à des collaborations internationales dans le domaine de la défense, ce qui, d'un point de vue européen, ouvre des perspectives très intéressantes. Et bien entendu, le satellite Vénus est un satellite d'une très grande importance. C'est une collaboration franco-israélienne, mais c'est également un satellite qui va permettre d'observer la Terre avec des outils encore plus puissants qui vont fournir aux scientifiques européens et de partout dans le monde des informations beaucoup plus précises qui leur permettront de comprendre et d'atténuer les impacts des interventions humaines sur le climat. Ces deux satellites, qui sont fondés sur des technologies mises au point par l'industrie israélienne, ont contribué au succès de ce soir, bien entendu, mais vont former la base de futures coopérations dans le domaine de l'observation de la Terre. Nous travaillons avec les Israéliens pour que la prochaine génération de satellites à large spectre voit le jour, la génération Shalom. Et ce soir n'est qu'un premier pas dans un voyage beaucoup plus long. Et j'aimerais conclure en célébrant ce grand moment, en remerciant autant de personnes que possible. Bien entendu, je ne vais pas pouvoir citer toutes les personnes qui sont impliquées, mais bien entendu, je souhaite remercier le CNES qui nous accueille dans ce site exceptionnel qu'est le port spatial de l'Europe, qui a permis le lancement de ce lanceur conçu au sein de l'ESA. Et ce sont nos collaborations qui ont rendu tout cela possible, les collaborations entre nos organisations internationales. Et maintenant, je souhaite également remercier les différents acteurs italiens qui ont pris part à cet événement extraordinaire. Je souhaite remercier ISA pour leur amitié et leur coopération. Et bien entendu, je nous souhaite encore de belles réussites. Merci à toutes et à tous. Madame l'ambassadrice, chers amis de Toulouse, Tel Aviv, Rome et d'ailleurs, je vous rassure, je ne serai pas long. Tout a été dit, je vais tenter de dire le reste et je voudrais insister sur trois points. 10e lancement de Vega, j'étais ici pour le premier il y a quelque temps, il y a 5 ans à peu près, et quand on voit le chemin parcouru, c'est absolument extraordinaire. Et donc je voudrais féliciter tous ceux qui sont à l'origine de ce succès, l'ESA, l'ASI, ELEV, Avio, Arianespace et bien sûr l'ensemble de l'industrie spatiale européenne. Ensuite, je voudrais dire quelques mots pour les équipes du CNES, le lancement de ce soir, nos 4 centres étaient associés, le CSEG, le lancement ici, la direction des lanceurs qui avait participé à Vega, le Centre spatial de Toulouse pour Vénus et bien sûr le siège pour la coopération avec Israël. Puis je voudrais dire un mot aussi pour la coopération internationale. Vous savez que c'est un sujet cher à mon cœur et donc je voudrais vous dire, Madame l'ambassadrice, Monsieur le directeur général du MOS, Monsieur le directeur général de l'ISA, Monsieur le président d'IAI, à quel point nous sommes heureux et fiers de notre partenariat avec vous. L'État d'Israël est une grande nation spatiale, et vous venez encore de le confirmer avec la mise en orbite de ces deux satellites, OPSAT 3000 pour la défense italienne, et je félicite
en général les représentants ici présents. C'est un très beau satellite. Je regardais la présentation ce matin avec beaucoup d'intérêt. Et puis Vénus, bien sûr, que nous avons conçu et développé ensemble et qui va jouer un rôle majeur dans la lutte contre le changement climatique. C'est, vous le savez, un enjeu très important pour la France et pour notre président de la République, et je voudrais le citer ce soir, grâce à Vénus, « We will make our planet great again ». Merci. Bien, quelques mots de conclusion, très brièvement, en français, pour vous dire que nous reviendrons au Centre spatial guyanais dans les tout premiers jours de septembre pour lancer deux amis d'Ariane Espace, l'opérateur Intelsat, ça sera en position haute avec Ariane 5, Intelsat 37E, et l'opérateur japonais, BSAT, ce sera le satellite BSAT 4A, dans le cadre d'un contrat passé avec un autre ami d'Ariane Espace, qui est le constructeur de satellite SSL Loral. Voilà, bonne fin de soirée et profitez bien de ce succès. Merci beaucoup. And that brings the official speeches to their... Ce qui amène les discours officiels à leur conclusion. Bien, cette mission est mission accomplie pour le lanceur Vega de la famille Vega, OPSAT 3000 et Vénus sont en bonne voie. Félicitations aux équipes israéliennes, françaises et italiennes pour leur prochaine phase. Bonne chance donc pour la phase de réception. Et aussi félicitations aux agences spatiales françaises et israéliennes, au ministère de la Science et de la Technologie, à Telespazio, à Israel Aerospace Industry, au ministère italien de la Défense et bien sûr à OHB italien. Et bien sûr aussi, merci à Ariane Espace pour ce lancement et à l'agence spatiale française, le CNES. Donc, j'aimerais que vous avez apprécié cette retransmission en direct et que vous nous rejoindrez pour le prochain lancement, comme vous l'avez entendu, qui se déroulera au premier jour de septembre. À très bientôt.